Ce matin, il fait beau. Nous sommes partis très tôt à la recherche du Manoul. Valia a accepté de nous guider. J'ai confiance. Cet homme connaît le Gobi comme sa poche. Le Manoul est là, quelque part. Nous avons même trouvé quelques crottes laissées par l'un d'eux, comme pour mieux nous narguer. En fait, c'est des poils de souris, ça. En écoutant Valia, je sens que le Manoul est proche. Et pourtant, même avec lui, mes chansons sont minces. Ouais, elles partent en morceaux, ouais. C'est vrai qu'on voit bien les poils des souris qui mangent. Hein, En hiver, le trouver est une formalité, il n'y a qu'à suivre les traces dans la neige. Comment s'appellent en Mongolie les animaux qu'ils mangent, les souris? Comment on les appelle? En été, c'est une autre histoire. Ils se cachent dans les terriers et alors là, il faut faire confiance au hasard. Mais dans une telle immensité, est-ce que le hasard a encore un sens? On verra bien. Sandrine, déjà 6 semaines que j'ai quitté la France. Il me reste à peine une dizaine de jours pour trouver le Manoul. J'ai de sérieux doutes. Aujourd'hui, Valia n'a pas pu nous emmener. Il a d'autres choses à faire. D'autres chats à fouetter. Alors j'attends. Il m'aura fallu tout ce temps pour arrêter de m'en faire avec le Manoul. Et pour commencer à vraiment profiter de ces gens, de leur liberté, de leur accueil. À leur contact, j'ai l'impression de mieux comprendre ce qui m'a amené ici. Au moment de créer une famille, je crois que j'ai eu peur de changer de vie. Peur de ne plus être libre de mes choix. Pourtant, il suffit de voir Valia et les siens pour se convaincre du contraire. Bien sûr, leur existence n'a rien à voir avec la nôtre. Mais la leçon pour moi est exactement la même. Alors si j'enlève les raisons de ma peur, qu'est-ce qui reste? Le plaisir de partager un repas avec Valia et les siens. Le pétillement de l'érac dans ma bouche. Les rires des enfants. Et puis il y a mon amour pour toi. Et ce tout petit bout de moi qui grandit dans ton ventre. Tu me manques énormément. Bruno.